Bonjour à tous et bonjour à toutes, on est samedi et d'habitude le samedi il n'y a pas de gaming news, évidemment vous le savez puisque c'est du lundi au vendredi à 7h du matin, mais ce matin il y avait deux petits sujets que je voulais aborder avec vous et surtout je voulais vous remercier également parce que le gaming news d'hier, qui est là, jeux vidéo c'est la merde explication, était un gaming news... très axé sur le juridique, et vous savez, le juridique c'est mon bébé parce que j'ai fait des études de droit et que j'ai un master de droit, donc du coup bien sûr parler juridique c'est mon bébé, c'est ma passion, et donc du coup voir que d'habitude les gaming news qui traitent de ça sont moins regardés, ça me fait toujours de la peine, mais là pour une fois ça a été beaucoup regardé et surtout vos retours ont été très bons. Alors évidemment c'est dû à la miniature qui attire un petit peu plus l'œil. Je pense qu'il faut vraiment travailler sur ce genre de choses parce que finalement quand je regarde un peu vos retours par rapport à ça, ça vous intéresse beaucoup la vulgarisation juridique, de comprendre ce qui se passe dans l'univers du jeu vidéo, pas simplement des gameplays, pas simplement des rumeurs, pas simplement des annonces de jeux ou des rachats de studios, non. Ça vous intéresse aussi de savoir ce qui se passe derrière et comment se passent les procès et pourquoi il y a... Pourquoi il y a du juridique comme ça? Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Et si vous ne l'avez pas encore vu, cette vidéo, elle est dans le petit i juste là. Et je pense qu'elle peut vous intéresser. Donc voilà, beaucoup de juridique, mais surtout beaucoup de jeux vidéo dedans. Parce que c'est le but de la chaîne aussi. Aujourd'hui, deux sujets. On est samedi. Deux sujets que je voulais aborder avec vous. Il n'y a pas de sommaire qui s'affiche là. Parce que vous l'avez dans la barre de défilement. Et ça va être deux sujets dédiés. Il y a un sujet autour de l'enquête envers l'acquisition de Bungie par PlayStation. Donc PlayStation dans le viseur des autorités de régulation. On parle dans un deuxième temps et dans un dernier temps du coup de Fortnite qui revient sur iOS et Android. C'est vrai qu'il avait été retiré des stores et il arrive par un moyen un petit peu sympa parce que c'est Xbox qui le fait revenir, mais pas de manière classique, vous allez voir. Allez, on commence dans un premier temps du côté bien sûr de PlayStation et donc de Sony. Si tu peux t'afficher, merci beaucoup, il suffisait simplement de claquer des doigts. Vous le savez, il y a des autorités de régulation aux États-Unis qui vont aller vérifier que les rachats de studios, que plein de rachats, c'est pas que dans l'univers du jeu vidéo, sont légaux et surtout que ça respecte certaines conditions, tout simplement. Là, le viseur qui est porté sur PlayStation, parce que je réagis aussi, parce que j'ai vu plein d'articles américains qui tiraient la sonnette d'alarme, c'est normal. C'est-à-dire que l'autorité de régulation qui vient contrôler une acquisition de 3,6 milliards de dollars par l'une des trois sociétés les plus influentes du milieu du jeu vidéo, c'est totalement normal. Et une autorité de régulation qui vient également dans le même temps, puisqu'il faut aussi le rappeler que c'est en même temps, qui vient vérifier que l'acquisition de Activision Blizzard par Microsoft pour 68 milliards de dollars, qu'elle vient le vérifier, c'est normal aussi, parce que il y a énormément d'argent qui est mis en jeu, et parce que ça va faire de Microsoft un des trois acteurs les plus éminents dans le jeu vidéo mondial. Et en fait, je reviens là-dessus parce que c'est important, il y a ce qui s'appelle la loi antitrust. La loi antitrust, si vous voulez, qui est du coup mise en exergue par cette mise en lumière des autorités de régulation, c'est le simple fait de dire que dans un domaine précis, il ne faut pas qu'une entité, donc une société, par exemple PlayStation, Microsoft, on s'en fout, ait le monopole voilà, tout simplement. Donc, on va vérifier que l'acquisition ne va pas déstabiliser le marché concurrentiel et on va valider ou non cette acquisition. Dans le cadre de PlayStation, on va en parler là puisque c'est le sujet, mais dans le cadre de Microsoft, par exemple, vous le savez, il y a beaucoup d'interrogations sur Internet en mode « Oui, ça peut vicier l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft, patati patata. » Non, pour la simple et bonne raison qu'actuellement, Microsoft... en l'absence d'Activision Blizzard, ne fait pas partie des trois acteurs du jeu vidéo qui sont les plus éminents au monde. Sony, avec PlayStation et Tencent, par exemple, font partie des trois acteurs. Je ne sais plus qui est le troisième, c'est un autre géant chinois, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus. Désolé. Et donc, du coup, faire de cette acquisition d'Activision Blizzard, l'autoriser, en fait, ça le fait grimper dans les trois. Mais ça peut pas être invalidé, finalement, par la loi antitrust de la FTC, pour la simple et bonne raison que, il n'y a pas de position de monopole par Microsoft. Donc, quelque part, ça changera rien, c'est juste normal d'analyser un achat quand il dépasse 68 milliards de dollars. Rappelons que cette année, en tout et pour tout, on a donc un package de plus de 85 milliards
milliards de dollars qui auront été dépensés dans des acquisitions au monde, enfin dans des acquisitions mondiales. Rappelons qu'il y a eu par exemple l'acquisition de ZeniMax Studio par Microsoft à 7,5 milliards de dollars, Activision Blizzard pour 65 ou 68 milliards, Bungie 3,6 milliards, et puis on a vu il y a pas longtemps quelques millions dépensés pour des studios qui appartenaient à Square Enix par Embracer. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui prend de plus en plus de poids au fur et à mesure des années. C'est aussi quelque chose qui est de plus en plus partagé parce que l'affluence des réseaux sociaux montre ces choses au grand jour, et on a à peine bougé un petit doigt que finalement ça se retrouve sur les réseaux sociaux avec tous les gens qui s'y connaissent pas forcément et qui viennent hurler leur désarroi. Et c'est aussi ça, c'est aussi l'affluence des réseaux sociaux qui fait que ça nous paraît finalement beaucoup plus mis en avant. Et c'est plus mis en avant, mais les acquisitions dans le monde du jeu vidéo ont toujours été là. L'argent a toujours coulé à flot dans l'univers du jeu vidéo. Alors, beaucoup plus ces dernières années, parce que l'univers du cinéma... Désolé. Je suis désolé, moi je coupe pas, reste naturel. Voilà, ça arrive de tousser. Je suis désolé. Je disais, l'influence du cinéma sur le monde du jeu vidéo a aussi beaucoup ramené d'argent ces dernières années. Et l'univers du jeu vidéo engrange et brasse plus d'argent que l'univers du cinéma. Je sais pas si vous étiez au courant, mais il y a plus d'argent dans l'univers du jeu vidéo que dans le cinéma. C'est donc ça qui est absolument monstrueux. Et pour pouvoir vous donner un petit exemple, j'ai préparé ce petit truc que j'ai trouvé sur Twitter hier. Voyez que, par exemple, pour Microsoft, eh bien, ça, ce sont leurs revenus. Et regardez bien la quote-part du gaming, donc de Xbox, c'est 15,4 milliards. Ça représente 9% de ce qu'il gagne Microsoft. Par exemple, c'est Office, évidemment, et le cloud service avec Azure, puisque Azure, Sony loue des serveurs Azure à Microsoft, donc en fait, Sony paye Microsoft pour ça. Donc vous voyez bien que le gaming chez Microsoft, ça représente rien, donc il n'y a pas de position de monopole de ce côté-là aussi, de leur côté. Donc c'est ça qui est intéressant à voir aussi, ce genre de diagramme. Et donc, pour PlayStation, par rapport à cette acquisition, c'est quelque chose de normal. La FTC va regarder cette acquisition, voir si ça respecte le monopole de la loi antitrust, enfin l'absence de monopole, et voir effectivement si tout est légal dans cette acquisition. Le truc, c'est que Sony, ils ont été intelligents, parce que ils savent très bien qu'ils sont en position prédominante sur le marché du jeu vidéo. Ils le savent, et donc faire une acquisition de studio, d'un Bluepoint, ce genre de truc, c'est des petits studios entre guillemets, il n'y a pas de souci. Par contre, Bungie, ça devient des studios un peu plus lourds, et quand on le voit, 3,6 milliards de dollars, c'est des trucs qui sont beaucoup plus lourds. Donc, il y avait un potentiel risque devant la FTC, devant l'autorité de régulation, qu'on nous dise, non, vous ne pouvez pas l'acheter parce que vous êtes déjà en position quelque part de monopole, donc ça va renforcer votre position, et donc c'est pas toléré pour le marché concurrentiel. Mais PlayStation, ils sont intelligents, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont fait leur petit placement pour l'acquisition de Bungie, ils ont affirmé que ça serait une filiale indépendante, donc quelque part, pas de position de monopole là-dessus, et ils ont précisé qu'effectivement, le studio resterait multiplateforme, que l'acquisition se déroulerait donc comme prévu, parce que les jeux qui seront faits par Bungie seront disponibles sur PC, sur PlayStation, et sur Xbox par exemple. Donc il n'y aura pas d'exclusivité, donc il n'y a pas de risque du côté monopole, donc il n'y a pas de risque côté loi antitrust. Et c'est ça qui est intelligent, et c'est ça qui est bien amené par PlayStation, parce que racheter un gros studio, ça peut faire peur, ça peut être un risque. Là, il n'y a pas de risque, donc la FTC, ils vont analyser ça, ce qui est normal. On rappelle que la nana qui est derrière toutes ces enquêtes, c'est Lina Khan, qui a été nommée présidente de la commission par le président Joe Biden en mars 2021, et il y a un regard beaucoup plus agressif et beaucoup plus exacerbé sur toutes les nouvelles acquisitions, parce qu'ils ont peur, finalement, qu'il y ait une position de monopole par rapport à tout ça. Bref, voilà, c'est normal, la mise dans le viseur de PlayStation par rapport à ça, c'est normal, il n'y a aucun risque, mais il s'agissait quand même de le traiter et de vous l'expliquer en vulgarisant un petit peu tout ça, parce que moi je trouvais ça intéressant. Voilà, et je pense que ça peut vous intéresser aussi, parce que je vois beaucoup Twitter qui s'agite comme ça, en mode, oh là là, PlayStation, ils ont une enquête sur le dos, c'est pas normal, ça va être annulé. C'est normal, c'est totalement normal. Je veux dire, quand toi tu vas aller acheter quelque chose à plusieurs milliards de dollars, la banque elle va venir à faire... voyons voir. Voilà. En gros, c'est ça aussi. Allez, deuxième sujet du Gaming News, et cette fois-ci on part du côté de Microsoft et donc Xbox. On a fait le lien un petit peu entre les deux. Fortnite va pouvoir être joué via le Xbox Cloud Gaming sans
abonnements. Et alors, sur les réseaux sociaux, c'était un petit peu flou, parce que j'ai vu beaucoup de titres de news qui disaient « Fortnite pourra être joué gratuitement sur mobile ». Et donc du coup, bah, je voyais les gens dans les commentaires, et peut-être vous, et depuis hier, ils disaient mais Fortnite, c'est un free-to-play, donc forcément que c'est gratuit, que c'est jouable gratuitement sur mobile. Et bah en fait, oui, Fortnite est gratuit, mais il faut prendre en considération qu'actuellement, à cause de l'enquête, vous savez, de l'enquête qu'il y a eu par rapport à Apple, par rapport au fait que Fortnite devait passer par leur système de paiement, le fait qu'Epic Games ait monté toute une affaire autour de ça, bref, Fortnite n'était plus dispo sur Android, Fortnite n'était plus dispo sur iPad et sur iOS en termes général, et donc du coup, bah, tous ceux qui voulaient jouer sur téléphone portable, ils étaient un peu comme des flans. Et donc le Xbox s'est dit, on va trouver quelque chose pour permettre aux joueurs sur Android et sur iOS de le faire. Et bah en fait, vous pouvez le faire via Xbox Cloud Gaming, puisque eh bien via ce Xbox Cloud Gaming, vous avez accès à certains jeux qui sont dispo sur le Game Pass, à certains jeux qui sont chez Xbox, dont eh bien notamment Fortnite. Et c'est intéressant parce que finalement, ça va être du streaming. Alors il faudra une bonne connexion internet, il n'y a pas à être installé sur votre téléphone. C'est du streaming sur le Xbox Cloud Gaming. Normalement, le Xbox Cloud Gaming, il est inclus dans l'abonnement Game Pass Ultimate. Normalement, hein, voilà. Et puis, si vous avez le Game Pass Ultimate, vous pouvez jouer un petit peu à tout sur votre téléphone. Mais normalement, c'est disponible via ça. Et Xbox, ils frappent un grand coup parce qu'ils disent, OK, normalement, le Xbox Cloud Gaming, c'est avec, eh bien, le Game Pass Ultimate. Mais, comme Fortnite n'est pas accessible sur mobile, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez utiliser le Xbox Cloud Gaming gratuitement et jouer à Fortnite sans vous abonner ni installer eh bien, le Game Pass ou le launcher de quoi que ce soit. Donc en fait, c'est pour ça que c'est gratuit. Et il y avait une espèce de petite confusion, mine de rien, sur les réseaux, en mode bah, Fortnite est gratuit. Oui, mais Fortnite n'était plus dispo, donc le Cloud Gaming de Xbox est gratuit. Je suis désolé, pour jouer eh bien, à Fortnite. Et donc, on rappelle que vous pouvez jouer à ça sur iOS, iPad, Android, iPhone, tablette et également Windows PC via le Cloud Gaming, donc sans l'installer. Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est que même sans votre abonnement Game Pass, même sur PC, si jamais, je sais pas, vous n'avez pas un PC suffisamment puissant, eh bien, vous allez pouvoir y jouer en cloud. Et c'est ça, en fait, qui était intéressant dans cette news, et c'est pour ça que je voulais absolument vous la partager. Voilà, tout simplement. Pour l'instant, Epic Games et Apple, ils sont dans une grosse bataille juridique depuis août 2020. On a fait plusieurs vidéos expliquant ce qui est en train de se passer, concernant le fait qu'Epic ait décidé bah, de contourner les frais de la plateforme Apple, etc., que ça a entraîné la suppression de l'App Store, la résiliation du compte développeur d'Epic, que Google, ils s'y sont mis un petit peu pareil. Bref, c'est des trucs que je suis en train de suivre aussi juridiquement et que je vous livrerai sur la chaîne à partir du moment où ça continue un petit peu d'avancer. C'est pareil, hein, chez Nintendo, il y a aussi des problèmes juridiques, chez Xbox, il y a des problèmes juridiques aussi, alors entre guillemets, là, c'est plutôt Activision Blizzard, chez Sony, il y en a aussi. Bref, si vous voulez des actus juridiques sur le jeu vidéo, vous êtes au bon endroit également. Allez, c'est la fin de ce Gaming News spécial du samedi, très juridique, et moi ça me plaît. J'espère que ça vous a plu et intéressé. Je vous fais des gros bisous, à très très vite, c'était UMB. Il y a d'autres vidéos qui débarquent d'aujourd'hui, si je crois qu'il y en a une aujourd'hui, et il y en a une demain. Une demain qui... Ceci, là, ça, grosse exclusivité, ça existe nulle part ailleurs qu'en Corée et c'est pas sorti ailleurs. J'ai dû le faire importer de Corée, ça m'a coûté très cher et c'est une exclue mondiale parce qu'en fait je crois que quasiment personne en dehors de la Corée a ça. Voilà, tout simplement. De ce que j'ai vu sur internet, il y a très peu de gens qui l'ont. Mais de toute façon, c'était en édition ultra limitée. Bref, vous verrez. Pika, pika. Allez, je vous fais des gros bisous. À demain ou alors cet après-midi. Je ne sais pas, ça dépendra de mon humeur selon ce que j'ai à poster ou pas. Des bisous, c'était EMB. Salut, salut.